je voudrais montrer aujourd'hui que les paysans dont nous avons vu hier qu'ils étaient écrasés par le climat l'ont été toujours par le pouvoir l'ont été toujours d'aussi loin qu'on puisse les saisir vous savez que l'histoire paysanne commence tard parce qu'il y a toute une grande épaisseur de millénaires où des choses se sont mises en place, dont nous ne voyons pas bien comment elles se sont mises en place et que nous saisissons dès que l'historien dispose de moyens d'observation. Ces moyens d'observation, au départ, sont surtout archéologiques. C'est par la fouille, une fouille qui ne s'attache plus uniquement, comme elle l'a fait longtemps, aux grands monuments, mais qui essaye de discerner les traces de la civilisation paysanne dans les campagnes aujourd'hui par la fouille que qu'on apprend le plus de choses sur les périodes pour lesquelles l'écriture est encore soit absente, soit trop rare et en tout cas ne s'intéresse que à la partie supérieure de la société. Et c'est à dire, euh, Georges Duby, excusez-moi de vous interrompre, que vous avez eu une phrase très inquiétante au début là, et c'est à dire qu'il n'y a jamais eu, qu'on n'a jamais trouvé vérification de cette image qui est dans toutes les descriptions de l'Éden, enfin des moments heureux où le tout se passait bien, cette image un peu à Jean-Jacques Rousseau, où le paysan était un homme libre sur sa terre, c'est une légende euh, Ça n'est pas une légende, euh, je dirais que c'est une utopie fascinante, n'est-ce pas Et, et c'est un rêve. Je dirais même, si vous voulez, que euh, c'est un instrument idéologique euh, destiné à maintenir euh, la classe dominée euh, dans sa position euh, d'exploiter. En réalité, euh, euh, C'est un rêve. Le rêve, justement, euh, de la famille paysanne, tranquille, dans sa maison, et euh, du bon père de famille, euh, exploitant lui-même sa terre et en, en, en utilisant tous euh, les profits. Cela appartient, en fait, effectivement, à l'imaginaire social. Dieu, yeah, ça n'a jamais été vérifié. Mon Dieu, vous me faites froid dans le dos, là. Je pensais qu'on pouvait se dire que dans notre passé, il y avait un moment où une certaine justice était attachée au travail. Et alors voilà, vous n'avez jamais vérifié ça, même dans les fouilles archéologiques les plus lointaines. Non, parce que euh, dès que. Vous euh, voyez, ce, ce qu'on qu explore, ce qu'on trouve en particulier, ce sont euh, des tombes ce sont des cimetières. Et dans les cimetières les plus anciens que l'on peut explorer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tombes de pauvres et puis quelques tombes de riches, quelques tombes où il y a des armes, où il y a euh, des bijoux, où il y a euh, des objets qui justement sont à la fois euh, des emblèmes du pouvoir et des symboles précisément de ces ponctions qu'une aristocratie a toujours opérées sur les travailleurs. Et, et euh, lorsque alors euh, les ténèbres se dissipent un peu, lorsque l'on parvient euh, à la période de, de la Gaule romaine, eh bien euh, là encore euh, que voit-on euh, On voit euh, ces, ces très grandes, ces très belles euh, demeures, ces villas qui euh, étaient organisées pour le plus grand confort et où tout avait été requis pour dresser autour de la cour centrale où vivait le maître un décor de perfection. Et euh, on s'aperçoit que dans le voisinage de ces vestiges, encore présents, encore euh, euh, éblouissants parfois, dans l'environnement, mais cette fois-ci à peine visible dans le sol, uniquement repérable par des traces de quelques foyers, il y avait ces cabanes où vivait la population travailleuse, laquelle était réduite dans l'esclavage qui appartenait entièrement au maître et qui travaillait entièrement pour lui. La Gaule romaine, c'est cela, et la Gaule romaine, c'est aussi la cité, c'est-à-dire la ville, qui s'est établi au centre de chacun de ces petits pays qui se partageaient à ce moment-là l'espace français et où résidait, pour son plaisir, l'aristocratie. La ville était un lieu orné avec un, toute une recherche de l'organisation pour la jouissance et pour le déploiement de l'ostentation. Eh bien, euh, la cité, en fait, ne devait sa vie qu'au euh, travail obscur qui était mené, euh, soit euh, sur les grands domaines, dont les villas rurales dont je parlais tout à l'heure, qu'on cite le centre, soit dans ces petits villages indigènes dont on retrouve aussi les traces, euh, dans les espaces moins bien euh, exploités, moins profitables, et où une population de bergers, une population euh, de petits agriculteurs, euh, subissait périodiquement euh, des ponctions opérées euh, au profit de la population urbaine. Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion Je sais que les historiens n'aiment pas beaucoup ça, mais je me suis laissé dire que c'était une sorte de tradition, et j'aimerais que vous me disiez oui ou non, c'était une sorte de tradition que les gens qui cultivaient la terre étaient des gens qui étaient là depuis longtemps, et que les gens qui les gouvernaient étaient généralement des gens qui étaient là depuis moins longtemps. C'est-à-dire des... Le mot étranger est un peu vite trop vite dit, mais est-ce que cela se vérifie déjà dans ces rapports entre gens des villes et gens des, des CND. Des organisations qui sont des grandes fermes disons et paysans est ce que le, le dominateur est, est régulièrement un étranger euh, il faut il faut nuancer cette, cette vision pierre descargues euh, vous savez la, la gaule romaine c'est une colonie et euh, c'est une colonie une, une zone d'occupation militaire et euh, une partie de l'aristocratie est constituée effectivement par euh, des gens venus d'ailleurs qui se sont installés là installés là en conquérant mais une partie, et sans doute beaucoup plus importante de cette aristocratie, est constituée par les descendants des chefs de la population indigène, qui déjà avaient un système de domination, lequel s'est parfaitement coulé dans l'organisation politique des conquérants. Et il faut ajouter à cela... Euh, évidemment, euh, tous les habiles, tous les hommes qui ont collaboré avec l'envahisseur d'une façon quelconque, qui ont profité de la situation nouvelle créée par la conquête pour sortir de leurs conditions paysannes, pour s'élever et pour prendre place parmi les puissants. Enfin, une dernière catégorie, alors cette fois-ci aussi des étrangers, ce sont euh, les trafiquants, les commerçants qui sont euh, à l'époque romaine essentiellement des gens venus de l'Orient méditerranéen, des Levantins comme on les appelle pratiquement, et qui tiennent alors euh, le commerce et qui euh, sont aussi des participants très directs à l'exploitation de la paysannerie. Comment est-ce qu'il faut le prendre ce mot d'exploitation de parce qu'il a il a plusieurs sens d'un côté il est intolérable de l'autre côté on voit écrit comme ça ce, ce, dans les rues actuellement société d'exploitation, euh, oui euh, de mais ci, mais je pense ou que là lui... ce n'est pas monstrueux comment est-ce que vous le prenez je pense qu'il faut lui laisser ses ces, ces deux sens n'est-ce pas euh, cet il y a, a évidemment ce euh, ce côté noir que vous évoquiez, c'est-à-dire que c'est il faut, il, faut, il faut sentir cette euh, cette, société, cette petite élite aristocratique assise n'est-ce pas véritablement sur le peuple qui la nourrit. Mais euh, il faut voir aussi que le système seigneurial a, a été dans une bonne mesure euh, d'abord euh, un facteur de d'équilibre et de sécurité sociale, si vous voulez, il y a des fonctions que nous attendons aujourd'hui d'organismes anonymes, eh bien étaient remplies effectivement par la seigneurie. Le système a tenu, et s'il a tenu, c'est que il avait quand même un certain nombre d'avantages, parce que euh, évidemment euh, il s'agit de faire un effort pour se replacer dans la mentalité euh, des paysans de ce temps-là, euh, s'assurer je dis bien s'assurer, c'est une assurance, c'est une sécurité. S'assurer une place au paradis, ça avait quand même de l'importance. Et l'autre part, euh, elle s'en a encore, bien sûr. <rire> Et <rire> se garantir contre euh, les envahisseurs éventuels, contre le brigandage, avoir euh, justement une puissance capable euh, de maintenir. Euh, justement euh, l'ordre de faire respecter un certain nombre de droits, euh, tout cela avait du prix, n'est ce pas, et c'était ce qui était acheté par euh, les, les, les prestations seigneuriales. Et puis, il faut se rendre compte que euh, cette, euh, cette société euh, traditionnelle, est en grande partie fondée aussi sur la réciprocité, c'est-à-dire sur le don et le contre-don. Le, le paysan donne quelque chose, mais en donnant, n'est-ce pas, il, 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 prend, il prend prise sur celui à qui il donne et elle attend de lui euh, une, une compensation. Et euh, effectivement, euh, le, le Seigneur ne pouvait euh, exercer son autorité. Et que si, effectivement, il apparaissait d'une certaine manière généreux. Et il l'était, effectivement. Nous parlions hier de, de ces cataclysmes, de ces catastrophes climatiques qui entraînaient des famines, des pénuries alimentaires très profondes. Eh bien, à ce moment-là, aucun seigneur ne pouvait faire autrement que d'ouvrir ses greniers, de distribuer autour de lui de la richesse, d'entretenir les pauvres, qu'il pouvait ensuite, lorsque les temps étaient meilleurs, de nouveau exploiter. Mais, voyez-vous, il, il y a ce système qui... Introduit une certaine clarté dans euh, cette obscurité, ce caractère très sombre du tableau que je dressais tout à l'heure. Les après-midi de France Culture, Georges Duby, au micro de Pierre Descargues, première diffusion sur France Culture le 28 septembre 1976.